C'est fou comme l'amour peut être beau. Deux êtres s'aiment, tout le monde est heureux. Chaque jour défile et leurs sentiments aussi grandissent. Personne ne le sait, mais quand il y a des hauts, il y a aussi des bas. Parfois, beaucoup de choses énervent le jeune homme. Les regards, les bonjours, les mots doux venant des autres. Surtout des autres garçons. Parfois, elle désobéit, voire même, elle manque de respect. Mais est-ce là l'amour? Ne pas être à l'écoute de l'autre? Ne pas prouver ses sentiments? Et ne pas satisfaire celui qu'elle aime? À croire qu'elle oublie qui est l'homme ici. Mais pourquoi tu fais ça à ta copine? Parce que c'est moi l'homme. Il y a tellement de façons de s'aimer, alors pourquoi choisir la violence? Une femme sur trois est victime de violence. Soyons tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Il y a tellement de façons de s'aimer, alors pourquoi choisir la violence? Soyons tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles.
Il y a tellement de façons de s'aimer, alors pourquoi choisir la violence? Soyons tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Je me souviens de tout. J'ai 17 ans, j'avais si hâte d'étudier dans ce nouveau lycée, mais voyez par vous-même, je suis dans le coma et je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard. Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard. Je me souviens de tout. J'ai 17 ans, j'avais si hâte d'étudier dans ce nouveau lycée, mais voyez par vous-même, je suis dans le coma et je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Le harcèlement scolaire peut détruire nos enfants et nos vies. Briser le silence, c'est les protéger. Agissons avant qu'il soit trop tard.